Voilà, c'est ça. On venait s'abriter à 24-30 heures à peu près pour continuer la route sur Québec. Et puis, bon, on a fait une quinzaine d'heures à 45-50 nœuds. On a dérapé une fois. Et là, on a 30 nœuds encore depuis ce matin, en fait, hein. Donc, du coup, on vous prévoyait de partir en fin d'après-midi au moment où le vent mollit. Mais a priori, ça ne mollit pas du tout. C'est pas conforme à ce qu'on a dans les fichiers, là. Et donc, on vient d'appeler le bac. Il y a un bac en fait qui traverse le détroit de Belle-Île, qui va de Sainte-Barbe où on est jusque sur la côte du Labrador en face. Et donc, il vient de nous confirmer là dans le détroit, on a 5 mètres de creux et 40 nœuds établis de sud-ouest. Ce qui veut dire que nous, par rapport au cap qu'on va faire pour Québec, on est face. Donc, de toute façon, c'est ingérable. Donc, on va rester ici une douzaine d'heures de plus en attendant que ça mollisse, en croisant les doigts. Voilà, et donc le programme après, bah, c'est de rentrer dans le golfe du Saint-Laurent et de rentrer dans le Saint-Laurent après. Exactement, c'est rentrer dans Saint-Laurent, essayer d'aller près de l'île Anticosti, où là effectivement l'embouchure est beaucoup plus étroite, donc on risque d'avoir moins de mer. Et puis après on verra pour Québec, hein, on est attendu pour le 10, donc ça nous laisse quand même encore 6 jours pour faire presque 700 000, donc pour l'instant on est dans la moyenne, ce qui fait qu'on peut se permettre d'attendre confort ici, que ça passe.